les amis, c'est Lina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et on va aller sur un petit jeu qui va vous permettre de créer un avatar Roblox stylé et super mignon pour votre chaîne YouTube ou autre. Donc le jeu s'appelle Avatar Icon Generator. C'est merci à David de m'avoir fait connaître ce jeu. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description, vous pouvez vous abonner. Et je vous mettrai le lien du jeu également dans la description de ma vidéo. Donc on va aller dessus. Donc voilà, avatar, générateur d'icônes d'avatar. Comme vous voyez un petit peu sur toutes les chaînes YouTube de certains youtubeurs en ce moment. Donc, c'est parti. Je rentre dans le jeu. Voilà, donc on va mettre jouer. Donc là, vous pouvez choisir votre arrière-plan. Soit bleu, soit vert, soit rouge, rose... Ou bien il y a un écran vert, les écrans bleus. Après, il faut acheter des passes. De quoi les passes de jeu? Faut acheter des passes. J'aime bien le violet, voilà. Pour acheter un pass de jeu, genre, c'est 44 Robux. Donc voilà, je m'en fous, quoi. J'ai même pas envie de le prendre. Donc là, nous, on va partir, genre, sur un... Sur le rouge. Le rouge. Voilà, voilà. Voilà, là, vous avez votre personnage Roblox qui se met directement comme ça. Donc là, en bas, sur la taille du personnage, moi, je l'ai agrandi un petit peu. Voilà. 82, 83, ouais, 85%. Là, vous pouvez choisir la, ce qui fait votre avatar. Là, vous avez des poses, plusieurs poses. Mais par contre, j'ai remarqué que si vous appuyez sur une pose et que vous voulez changer, vous ne pouvez pas. Il faut redémarrer le jeu et c'est ça qui est un petit peu pénible. Donc là, genre, je veux que mon personnage, il a les deux bras là, qui nous fait une pose comme ça. Voilà. Super la pose. Donc voilà. Bon, là, je vais réduire un peu comme les pieds, ils dépassent. Voilà, voilà. Bon, il y a des poses un peu plus jolies, mais moi, j'ai pris la première venue, quoi. Donc voilà. La luminosité, je vais mettre un petit peu plus de lumière au niveau du blanc. Ça ressort largement mieux. Là, vous pouvez descendre... Les contrastes. Voilà, vous pouvez faire un style de brillant sur votre perso. La saturation. Hop, comme ça. Et après, l'effet flou. Vous pouvez flouter. Ou pas votre perso, ou légèrement, ou pas du tout, ou tout plein. Bon, voilà, je le floute pas, je vais le laisser comme ça. Je trouve que ça rend trop bien. Donc voilà. Après, il n'y a rien d'autre. Après, il y a le rendu. Voilà. Et donc, si vous le voulez, après, vous faites un clic droit. Bon, ou alors, pour enregistrer l'image, vous prenez le petit outil capture d'écran. Vous faites nouveau. Ça, moi, je travaille sur PC, après sur téléphone. Je ne sais pas comment ça se passe. Et vous faites une capture d'écran. Et ça vous fait, voilà, vous enregistrez. Et ça vous fait un avatar. Voilà, voilà. Moi, comme j'en avais déjà fait un, je vais pas enregistrer celui-là. Voilà, donc là, vous pouvez faire quitter. Nom d'utilisateur Roblox, vous pouvez... Je sais pas si on peut changer le nom, non. Ah si, on peut mettre un utilisateur. Je vais essayer avec Lilou. Je charge l'avatar de Lilou, génial, génial, mais j'arrive à lui faire... Voilà quoi. Ou même pour Lisa, je vais essayer d'aller voir sur le nom de Lisa. Que Lilou elle en a fait un. Je prends l'utilisateur et je charge le nom de Lisa. Nickel. Bah, je vais lui faire un petit avatar. Disons que je vais lui prendre cette fois-ci. On va lui prendre une autre pose. Une pose, une belle pose comme ça. Oh là. Je crois qu'il est un peu bizarre. Hein. Il a un dépasse bizarre, mais bon. Non, mais je veux pas lui faire cette pose-là. Donc oui, je quitte, faut dire comme ça qu'on quitte quand ça va pas et refaire rejouer. Donc là, bah, Lisa, je vais lui prendre, tiens, je vais lui prendre du rose. Ah mais non, mais je veux pas que ce soit moi. C'est vrai qu'il m'a remis ça. Et si je fais des fautes, ça va pas aller non plus. Voilà, donc je voulais faire celui de Lisa qui est là. Ah donc voilà, pour changer votre avatar, s'il foire au lieu de changer, si vous ratez votre avatar, vaut mieux recharger le nom de votre avatar.
Donc voilà. Lise, je vais lui prendre. Allez. Ouais, il est cool lui. Elle fait coucou. Donc là, bah, je vais lui agrandir son personnage. Voilà. Je vais lui mettre un petit peu de luminosité sur 6. Je trouve que c'est trop bien. Après, c'est trop brillant. Ou après, what? C'est vachement brillant. Allez, sur 6. Ouais, même 9, c'est joli. Ou 8, si je peux monter à 8. Il veut pas, c'est 9 ou 6. Bon, je vais lui mettre sur 9. Les contrastes. Oula, waouh. Voilà. Et la saturation. Voilà. Le flouté, non, j'en mets pas. Voilà, j'aime bien, il est trop beau comme ça. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est pour augmenter un peu. Ouais, moi, je vais sur 70. Bon, voilà, bah celui-là, c'est celui de Lisa. Je vais lui prendre. Et puis, voilà. Voilà, outil capture. Nouveau. Hop. Et puis, voilà, voilà. Et là, je capture. Lisa, j'ai fait son avatar. Voilà, voilà. Comme ça, elle sera contente aussi. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans ce cas-là, lâchez un like. Surtout, n'oubliez pas de lâcher un like sur la vidéo, ce serait gentil. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez les amis, à bientôt. Ciao, ciao.